Donc voilà les chaussures achetées chez Lidl. On verra bien ça va durer combien de temps. Après, je dis ça parce que j'ai acheté ça la semaine dernière et ils sont déjà dégommés. Voilà. Voilà la semelle. Voilà. J'ai acheté ça chez Cora au prix de 15 euros. Et c'était 3 pommes. Par contre, c'est des fausses tailles. J'ai pris taille 32 et a mis du 30, ma fille. Voilà. Donc, si vous voyez cette marque, faites attention, n'achetez pas car c'est de la merde. Oui, je disais, je suis en train de marcher, je vais chez ma copine. Ce matin, il a bien plu. Donc j'espère que je ne vais pas me taper la pluie. Et ma voiture, elle est au garage, en fait. C'est pour ça que j'y vais à pied. Et vu que la voiture, elle est au garage, psychologiquement parlant, j'ai envie de sortir. Logique. Donc c'est rare que je marche à pied. C'est rare que je vais à pied quelque part. Mais bon, vu que ce matin, déjà, on ne va pas au sport, je me dis, ça fera mon sport. Donc là... Nous sommes mardi matin. Hier, j'ai mis en ligne le vlog de lundi. J'ai eu plein de petits messages de soutien. Ça fait plaisir. Et tout à l'heure, quand je serai chez ma copine, je vais lire vos commentaires et je répondrai aux questions posées. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Bon, du coup, je suis venue chez ma copine. Elle m'a préparé en 2-2 un petit déjeuner à la Turkish Mamish. Des bons œufs, protéines, tomates, mozzarella. Vous avez ici, c'est de. Comment ça s'appelle? J'ai un trou. Elva. Elva. Voilà. Toast au fromage. Des olives. Voilà, Filane, bon appétit! Après avoir fait le petit déjeuner turc, un bon petit café turc, mais c'est quoi tout ça? On va pas manger du chocolat? On a assez mangé, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est trop bon ça. Je vais boire que mon café. Quand je vous dis que j'ai la poisse en ce moment, voilà, Nazar. Nazar, Nazar, Tchatlasunar, Itzanar. J'ai la flemme de nettoyer tout ça, mais bon, au moins c'est fait. C'est tombé tout seul, tout le mauvais œil est parti avec. Yallah. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc là, aujourd'hui, nous sommes mardi. Hier, j'ai dû arrêter le vlog parce que je suis tombée malade, entre guillemets. Alors quand je dis je suis tombée malade, en fait, juste après, enfin, chez ma copine, déjà, je me sentais pas bien. J'avais des vertiges et j'avais très 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 sommeil. Et d'ailleurs, je sais pas comment j'ai fait pour repartir à la maison. Heureusement, elle habite juste à côté de la maison. Et je suis rentrée à la maison, je me suis écroulée dans mon lit et je me suis réveillée à 16h10 parce que Maëlys venait à 30. Donc quand même, mon corps était fatigué, mais mon cerveau disait, Belma, réveille-toi, tu as Maëlys. Et ensuite, toute la journée, enfin toute la fin d'après-midi, j'étais comme une zombie. Et vers 18h30, c'est là où j'ai eu plus d'énergie. J'ai commencé à faire le ménage, à plier le linge, laver le linge, m'occuper des enfants, les laver, etc., etc. Et cette nuit, voilà, rebelote, ça m'a fait la même chose. J'avais très très chaud. J'ai pas dormi de la nuit. J'ai tourné dans le lit, tourné dans le lit. Donc là, Allah bin Shukr, ça va un peu mieux, mais je sais pas qu'est-ce que j'ai. Je sais pas, donc je sais pas si c'est toute la fatigue que j'ai eue tout le mois de juin. Parce qu'il faut savoir, j'ai été très très fatiguée. Et là, je me dis, ça accumule. Donc désolé, là, on ne me voit plus avec le soleil. Je me mets un petit peu comme ça. Du coup, ma voiture est tombée en panne. Bon, quand je dis, elle est tombée en panne, là, elle est au garage. Elle est en réparation. Et ça va, j'ai pris la voiture de mon mari. Ensuite, là, je suis devant Leclerc. Aujourd'hui, c'est les soldes. Donc, je ne vais pas faire les soldes. Je vais venir acheter la nourriture de Maïlys, les yaourts, les petits-déj. On n'avait plus rien. Même les courses, je n'ai pas pu faire. Donc, je me dis, je vais faire ça. Ensuite, j'ai rendez-vous à 10h. Et ensuite, à midi, j'ai rendez-vous à l'école des enfants. Car aujourd'hui, c'est les carnets. Donc, voilà le programme de la matinée. Et cet après-midi. Avec les enfants, bon, Gabi, il faut que je l'emmène chez le coiffeur, il doit se couper les cheveux. On va aller voir Cora si je peux trouver 2-3 bricoles.
en vêtements parce que j'ai déjà fait les soldes chez CA, donc j'ai pas besoin de grand chose, mais je vais regarder les vêtements, enfin des shorts surtout, et à la dernière démarche je regarderai les vêtements pour la rentrée scolaire. Mais là, côté vêtements, on est bon quoi. J'ai pas besoin de vêtements, même pour moi. J'ai acheté ce haut par exemple, j'ai acheté chez CA pour 6 € je pense, au lieu de 12 €. Voilà le programme de la journée. Quand je vais entrer à la maison, je vais essayer de vous faire les produits terminés. Hier, je devais vous faire une revue sur une brosse que j'avais reçue sur le site Irresistible. Mais je n'ai pas pu le faire. Et je vais lire aussi vos commentaires. Je ne l'ai pas fait hier. Si vous m'avez posé des questions, donc je répondrai en direct. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Voilà, en vidéo, c'est vrai que quand je fais des vidéos, c'est plus pour... entre guillemets, ne pas me plaindre, parce que j'aime pas me plaindre. Donc c'est pour ça, si vous me voyez fatiguée et tout dans les vidéos, ne vous inquiétez pas, voilà, la vie continue, hein, ne vous inquiétez pas, moi je suis une battante et vous aussi vous êtes des battantes. Bon, je vous dis à plus tard. Bon, sinon les soldes ont bien commencé chez Leclerc. Vous avez jusqu'à 50 et moins 75%, mais bon, il faut chercher. Les soldes sont ni repris ni échangés. Ok. Voilà, quand c'est rouge, c'est moins 50%. Mais bon, aujourd'hui, j'achète rien. Sinon, vous avez des prix fixes. Donc là, on fête la fin d'année des enfants. Donc, Gabi, elle a eu un bon carnet. Clara, elle a eu un bon carnet. Et mon mari aussi, il a eu un bon carnet. Et moi aussi, j'ai eu un bon carnet. J'ai les ongles jaunes. Je viens d'enlever le vernis en accéléré. Mais quand on met du vernis rouge, purée, ça tue les ongles. Hein. Donc là, j'ai fait ma petite coiffure. J'ai la peau qui brille. Je ne sais pas pourquoi. Parce que j'ai pas la peau grasse. Donc c'est la lumière, je pense, qui fait cet effet. Là, ça va mieux ou pas? Bon, là, j'ai mis du enlumineur, mais bon. Bon, bref. Il faut que je vous montre... ce que j'ai acheté chez Nocibé hier, en fait, c'est pour
Si vous me suivez dans les vidéos, moi j'ai encore du mal à parler. Hein. Je ressors d'une maladie trop bizarre. Mais bon, ça va mieux, hein, grâce à Dieu. Donc si je suis essoufflée, c'est normal. Hein. On reprend. Allez, c'est parti. Oui, je disais. Je vous en avais parlé la dernière fois quand j'étais partie chez Action. Je commençais à acheter des petits cadeaux pour mon AVS, enfin l'AVS de Maëlys. Il y a la maîtresse, il y a l'ATSEM, il y a la directrice. Car Maëlys, en fait, elle part 1h30 par semaine que le mercredi matin à l'école maternelle. Normalement, elle doit être en CP, mais vu que, on a pu trouver une AVS et elle a fait deux fois la grande section. Mais bon, cette année, c'était la dernière, hein, n'est-ce pas? Ensuite, donc, 1, 2, 3, 4, ça fait 4 cadeaux pour eux. J'ai l'hôpital de jour, donc j'ai l'éducatrice. Enfin, j'ai deux éducateurs pour Maëlys. Et après, je ne sais pas pour l'équipe aussi, parce que c'est une équipe. Et là, du coup, avec les soldes, je me dis, je vais acheter des produits pas chers. Hier, chez Nocibé, j'ai pu trouver des produits pas chers. Et je me dis, je vais vous montrer. Et comme ça, la semaine prochaine, vu que je vais les offrir, je vous montrerai comment j'ai dispatché tout ça dans les sacs. Puis voilà quoi. Ça va, vous aimez bien ma coiffure ou pas? J'ai mis le velvet. C'est trop bizarre. Attendez. Comment ça s'appelle? Je mets Maybelline. C'est pour ça que j'aime pas trop les glosses. Parce que là, je suis en train de vous parler. Mais je sais pas si je me fous la honte ou pas avec, avec ça là. En fait, c'est le Vivi Hot Lake, j'aime Maybelline. Et ça fait un effet pâteux. Je ne sais pas si c'est dû à la chaleur. Il a fait plus de 40 degrés dans la chambre. Je ne sais pas s'il a tourné le truc. Ben, c'est la teinte 62 Charmer. Il est bien, mais bizarre. La texture, elle est bizarre. Bon, allez, on commence. Je regarde si je n'ai pas fait de tâche. Bon, c'est du n'importe quoi la vidéo, mais c'est pas grave, hein. Comme d'hab, c'est belle mouche la mouche. Donc je partais du magasin et j'ai vu ça, c'est des pochettes. Regardez comment elles sont belles. Et ils étaient à moins 70%, je payais 2,39€ au lieu de 7€, combien 7,95€. Voilà, bien sûr avec la lumière. Pourquoi je n'arrive pas à régler? Vous savez, j'ai acheté une nouvelle lumière, mais je l'ai pas encore mise. Voilà. Et du coup, je me dis que je mettrai à l'intérieur les cadeaux. Voilà, donc j'en ai pris deux. Voilà, là on voit mieux. Et j'ai pris au même prix un Vanity. Celui-ci est plus grand. Voilà. Nocibé, c'est écrit Nocibé. Celui-ci, 3,89€. Ah non, pas au même prix. Au lieu de 12,95€. Voilà. Donc là, je pourrais mettre plus de cadeaux. Je vais voir qui va avoir beaucoup, beaucoup de cadeaux. Ensuite, ah oui, j'ai même l'ambulancier. Je les ai oubliés, eux. Je regarderai s'il n'y a pas du parfum pas très cher pour les hommes. Il ne faut pas oublier l'ambulancier, hein, quand même. Hein. Alors, j'ai trouvé des palettes pas chères. Palettes. Alors, 60%. Il était à 9,95€. J'ai payé 3,98€. Voilà, donc je me dis... mettre ça déjà dans les petits sacs. Je vous fais un petit zoom. Regardez, c'est les couleurs. Voilà. Et du coup, j'en ai pris 1, 2 et 3. Voilà, j'en ai pris 3 et j'en ai pris un grand. Ceci est à moins 50%. Et là, vous avez blush et tout. 9,95 au lieu de 4,98. Voilà. Purée, c'est le même prix, ça. Vous avez vu ça ou pas? Mais j'ai trouvé moins cher eux. Voilà pour ça. Bon, je reste comme ça. Ensuite, j'ai pris ça. Lime à ongles. Voilà. J'ai pris un épilateur. À sourcils, j'en ai pris deux. Celui-ci, je pense que je vais le garder. Voilà, il était à 1,98€. Voilà, je vais le désinfecter et je vais le tester. Je vous dirai s'il est bien ou pas. Ensuite, j'ai pris ça. Voilà, c'est un lait corps sous la douche, 2,69€. Voilà, voilà.
J'ai pris un gelé exfoliant d'€39. J'ai pris c'est bifacé, ouais, démaquillant doux spécial maquillage waterproof. Ah ouais, ça j'ai jamais testé. J'en ai pris combien? J'en ai pris deux. Quand tu mélanges, ça donne ça. Je sais pas, peut-être je vais en garder un pour tester, on verra bien. Ensuite, j'ai pris ça pour Clara. C'est pour faire la banane, vous savez. Il était à 1,47 au lieu de 4,90. C'est une banane, on dirait Cendrillon. Voilà, et vous pouvez faire plein de coiffures. Et j'en ai à la maison, hein, mais bon, j'ai voulu en acheter encore. Donc ça, 2,09. Il est trop beau, ça fait être tenté. Donc c'est bien, je sais pas si je les ai déjà testés ou pas. Ensuite, j'ai pris ça. Vous savez, c'est les bâtonnets pour repousse cuticule. Comment? Cuticule, je crois. 0,89 ou le 2,95, voilà, c'est pour les ongles. 1,74 lait démaquillant, celui-ci il est bien. J'avais testé avec panneau. 1,50 des élastiques au lieu de 2,50. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est tout, c'est tout. On m'a donné deux échantillons Miss Dior et Azzaro pour elle, et j'ai eu l'échantillon, il est en bas dans mon sac à main, le nouveau Thierry Mugler, le parfum que tout le monde en parle en ce moment sur la toile, donc j'ai voulu tester. Bon, ça sent plus, parce que je me suis lavée ce matin, je voulais voir si ça sentait encore. L'odeur est bien, mais c'est pas un truc de dingue. J'ai fait sentir mon mari, c'est pas son style de parfum que je porte. Il m'a dit ouais, bof, j'aime pas trop. Mais voilà, c'est pas un parfum de ouf, 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 ouf. Mais j'aime bien, voilà. J'aime bien, mais c'est pas un parfum de dingue. Voilà, moi je préfère Courrèges. Vraiment les odeurs tabac et tout, c'est dingue, hein, poivre et tout. J'aime trop ce genre d'odeur. Et sinon les odeurs frais, mandarine ou lilas, j'aime trop. C'est vraiment cette période. Donc voilà pour nos cibé. Demain je vais aller à Rosny-sous-Bois. Il faut que je m'achète une petite robe chez Jacqueline Rue. Je vais voir si je trouve pas une robe à 20 €. J'ai un budget de 20 € pour me trouver une petite robe. Hein. Dernière minute. Et aujourd'hui nous sommes jeudi. Alors je vais essayer de vous mettre en ligne déjà cette vidéo. J'ai pas réussi à faire les produits terminés, donc ça je le ferai peut-être tout à l'heure. Je suis mal cadrée, je suis désolée. J'ai pas fait la vidéo où je dois lire vos commentaires, donc ça aussi je le ferai tout à l'heure. Donc là je vais quand même essayer de mettre cette vidéo parce que voilà, je vous ai promis que j'allais faire une vidéo par jour, mais bon voilà, on connaît pas l'avenir quoi, on connaît pas le lendemain, qu'est-ce qui peut nous arriver. Moi, je sais pas comment j'ai fait pour être malade, mais bon. Donc je vais mettre déjà cette vidéo en ligne et je reprends le vlog. Bah, de toute façon aujourd'hui je vais vlogger et au fur et à mesure je vous mettrai le vlog. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao! J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes vendredi. Hier je devais mettre en ligne la vidéo des 3 jours du vlog, mais j'ai pas réussi. Donc là direction Rosny-sous-Bois, car je dois m'acheter une petite robe, comme je l'ai dit hier, budget 20 €. Enfin, on va essayer. Et j'ai envie d'aller chez Jacqueline Rieu, parce que Jacqueline Rieu, c'est un magasin entre guillemets d'un certain âge, mais on peut trouver les personnes qui ont 30 piges, on peut trouver de très très jolis vêtements, robes, tailleurs, combinaisons. Franchement, ils ont des très très beaux vêtements, même si c'est une collection de certain âge, mais
quand j'ai certain âge, qui s'habillent en jeans, quoi. Sinon, hier, j'ai fait faire mes ongles semi-permanents. C'est ma Stéphanie qui me les a fait. Alors, c'est la première fois, comme je le disais, ça va faire... Bon, la première fois que j'ai fait mes ongles, c'est quand je me suis mariée, il y a 11 ans avant. Et depuis 11 ans, c'est vrai que je donne pas mes ongles... Enfin, je vais jamais aux ongleries, quoi. Je fais pas faire mes ongles et tout. Je préfère faire tout moi-même. Et c'est vrai que là, je me suis dit, c'est bon, quoi. J'ai envie de me faire chouchouter. Donc, merci beaucoup, ma petite Steph. Hein. C'est très, très joli. Je vais voir la repousse, ça va donner quoi. Donc hier, il y a mes deux belles-sœurs, du coup, ils ont fait faire leurs ongles aussi. J'essaierai de vous faire, de mettre... Je crois bien que j'ai un peu filmé la première pause, mais pas la deuxième pause. Et puis voilà, donc là, direction Rosny-sous-Bois. Il faut que j'aille chercher de l'essence. Et demain, on a le mariage, le jour J. Et il pleut. Voilà, qui dit la pluie. Mariage pluvieux, mariage heureux, c'est ça? Comme ça. Voilà, sinon vous, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de filmer quelques scènes de soldes, comme d'habitude. Il paraît que chez Nike, les soldes sont très très avantageux. Mais j'ai pas pu encore aller chez Nike. Il faut que je fasse le stock de baskets pour les enfants, pour la rentrée des classes. Voilà, parce que chez Nike, à Clé-Souilly ou sinon à Paris Nord 2, ben en fait c'est le magasin Nike qui est dégriffé. Et quand il y a les soldes, vous avez des baskets pour 14, 16 euros, 20 euros. Et c'est des Nike, quoi. Et ça dure assez longtemps au lieu d'acheter de la sous-marque ou pas de la marque qui va vous coûter 20 euros et qui va durer 2 jours. Faut pas croire, les baskets, les chaussures, les enfants, ils aiment bien déchirer. Bon, je vous dis à plus tard. Donc là, je suis à Galerie Lafayette et il y a plein, plein de soldes. Et j'ai acheté du parfum pour mon mari, moins 40%, normalement.